Allez, c'est reparti, Claude, direction la course maintenant et la deuxième série des cartes munies de moteurs de moto avec celui qui avait pris l'ascendant, Bruno Gasbren, le carte numéro 109. Alors on va voir parce que la position est un petit peu délicate pour Bruno, elle était classée en fond gris là dans cette troisième et dernière. Il va falloir essayer de revenir, mais en tout cas, quelle belle prestation aujourd'hui. Il sent bien apparemment le circuit. Ils se sentent bien sur cet anneau ici de Neza. Il est pour l'instant en quatrième position. On vient sur la tête de course avec Cyril Kerchouan et le carte numéro 297 qui est parfaitement en ligne. Voilà sur la reprise de la ligne droite en tout cas. C'est Ron Leclerc qui est en quatrième position avec le 4 numéro 19. Il va nous en manquer, je crois bien, dans cette série. Oui, il va nous en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il nous en manque 2. Il nous en manquera 2 dans cette série de non-partants. Samuel Potter est bien en seconde position. On est bien d'accord. Karel Gasguen est bien présente avec le carte numéro 139. C'est une pilote également, la seule pilote sur les cartes munies de moteurs de moto d'ailleurs, engagée sur le Brest Cross Tour 2013. Karel et son époux qui est juste là, devant là. La troisième place, c'est Kerjean pour l'instant toujours en tête. Position de leader, attention, ça revient très fort. Le carte numéro 18 là, de Samuel Potter se fait un peu plus incisif dans la partie plus lente du circuit, dans le gauche-gauche, en tout cas le 1 et le 2 avant de rentrer ensuite dans le 3, le seul virage à droite ici à Neza pour revenir sur le parabolique en montée et de renfranchir cette ligne droite, 700 mètres de développé de piste à effectuer, 5 points dans les manches. On rentre dans le dernier tour hein, pour l'ensemble des pilotes. Et Ron Leclerc a quelques soucis avec le carte numéro 19. On en profite de la part de Benjamin Tubulik pour prendre une place de mieux avec le carte numéro 8. Les derniers sectomètres pour Cyril Kerchouan, peut-être pour aller signer la victoire. Le carte numéro 297, oui, qui va aller signer la victoire. Facile victoire en tout cas. Il a dominé ses adversaires. On va voir ce qu'a fait Cyril Kerchouan et le carte 297 pour venir prendre les bons points. Oh, il y a vraiment un souci pour... Oui, on voit Ron Leclerc qui, avec le carte numéro 19, voilà, qui s'immobilise immédiatement. Il a voulu terminer quand même sa manche. Second. Hello. Allez, c'est le Kerchouan en tout cas qui prend la victoire.